la sélection égyptienne, dit M. Damon. Oui, c'est tout à fait normal. Maintenant, c'est un match pour le contact. C'est chaque équipe essaie d'imposer sa force dans les duels et essayer de gagner le plus possible. Et là, à partir de là, c'est... Première alerte dans le périmètre algérien. Ça a failli être l'ouverture du score. Et Elounes Gawawi en deux temps. Ça, c'est mauvais. Ça, c'est mauvais. Ça, c'est mauvais. Et voilà que les Égyptiens qui parviennent à ouvrir la marque par Amolozaki. Younes Gawawi qui a relâché le ballon dans les pieds de l'attaquant égyptien qui ne s'est pas fait prier pour mettre la balle au fond des filets de l'infortuné Younes Gawawi. Ça, c'est le plus mauvais scénario qui puisse arriver, mais il ne faut pas s'affoler, il faut rester concentré. C'est vrai, c'est un but vraiment qu'on pouvait éviter. Maintenant, il faut redoubler d'efforts parce que ce n'est qu'un petit but. Il faut revenir le plus vite possible dans le match, il ne faut pas se déconcentrer. Ça, c'est très important. Et on revoit là... Je ne sais pas s'il était en position d'enjeu ou pas, le joueur égyptien, mais en tout cas, c'est un but en guise de douce écossaise dans le camp algérien. Quand vous l'avez cité. Reste en face. Très bien, Petit. Gardez le ballon, gardez très le ballon. Bonne anticipation. Les Égyptiens qui récupèrent. Monsieur Damon qui vient là de regarder son chrono. Et l'éclair qui va pas tarder à renvoyer les 22 acteurs à leur vestiaire. Attention, cette balle, ça peut être dangereux. Intervention de Bouguera. Oh, que c'est bien joué par Bouguera. Une fois de plus. Allalal, technique. Allalalal. Égalisation égyptienne. Égalisation égyptienne alors qu'on jouait les arrêts de jeu. Ainsi est fait le football. Et l'égalisation, à mon sens, était signée Mohamed Aboutrika. Et là, on va carrément vers le match d'appui. Bien sûr, stupeur et consternation dans le camp algérien, ce qui est tout à fait normal. C'est malheureux, c'est malheureux. Ça, c'est vraiment dommage, dommage, parce qu'on est plus fort que, on est plus fort que. Ils ne méritent pas ces deux buts, c'est clair, c'est pas possible. Mais on sera en Grande Afrique du Sud, ça c'est sûr, en match d'appui, on le sera. Il faut pas baisser les bras. On n'est pas éliminé, Mustapha. On n'est pas éliminé, malgré cette deuxième réalisation égyptienne signée Mohamed Aboutrika. Ce sont les alliés du football, on revoit ce centre. Il y avait tout de même un flagrant hors-jeu au passage. Peut-être que... Dommage, dommage. Je me demande comment ça a échappé même aux yeux de M. Jérôme Damon. On revoit cette balle et cette tête biquée. Il fallait ressortir beaucoup plus vite. Il fallait ressortir un peu plus vite. C'est dommage, c'est dommage.